Alors, j'ai lu que vous vous dites très influencé par Truffaut. Ah bon? Non? Si, certainement. Oui, enfin, je l'ai été depuis longtemps. Quoi. C'est le cinéaste qui m'a donné envie de faire des films. Voilà. Avec mon père. C'est vrai que mon père ne faisait que regarder des films. Enfin, non, il avait un métier, mais regardait énormément de films et lisait énormément de livres. Et parmi ces livres et ces films, il y avait beaucoup de choses autour de François Truffaut. Donc, c'est en même temps les premiers films que j'ai vus et les premiers livres sur le cinéma que j'ai lus. Et puis c'est assez magistral, oui, je trouve. C'est en même temps simple, en même temps romanesque, incroyablement magnifique sur le scénario. Voilà, très beau sur les acteurs. Enfin, c'est d'ailleurs un cinéaste dont, à un moment donné, je dis aussi toujours souvent, comme ça, je me dis vraiment finalement non. Et puis finalement, oui, c'est tout le temps ça que ça revient tout le temps. Voilà. Moi, j'avais récupéré une citation de lui qui dit, qui fait dire à un de ses personnages dans L'amour en fuite. À quoi reconnaît-on que l'on est amoureux? C'est très simple, on est amoureux quand on commence à agir contre son intérêt. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre film et à l'histoire d'amour de ça, non, je ne connaissais pas cette phrase, voilà, je l'ai oubliée. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'idée de contre son intérêt. Donc du coup, c'est assez beau sur la gratuité, quoi. Ça me fait penser, je crois bien, justement, il y avait... Dernièrement, j'ai découpé une petite phrase des Frères d'Ardenne, où je sais pas où il se disait, tiens, c'était, ça pouvait être intéressant de faire un film sur des gens qui auraient eu des relations justement qui ne seraient pas de type utilitaire. Ça me fait penser à ce que vous dites. Par rapport à Pauline et François... Moi, je l'avoue plus comme le contraire, parce qu'ils se libèrent et ça va plus dans leur intérêt, mais... Oui, ça certainement, bien sûr. En même temps, c'est un intérêt, comment dirais-je, c'est inconscient, quoi, c'est inconscient. Parce que l'intérêt, si je peux me permettre, c'est aussi pour ça que j'ai situé mon film dans une banque. Parce que dans une banque, un des trucs vachement importants, c'est l'intérêt. Et qu'en face de ça, on va dire, c'est une pause un peu romantique peut-être, mais il y a une attitude quand même de relative gratuité de leur amour. Voilà, en tout cas, d'un rapport à la gratuité, au risque d'aller chercher la vitalité, voilà, qui va un peu à l'encontre d'un monde régi par l'utilitaire et l'intérêt, en tout cas, voilà. Mais, voilà. Pour moi, avant tout, Pauline et François sont dépassés, voilà. Et contrairement à François Truffaut, qui est très... Moi, mon film est beaucoup... est assez... essaie de filmer ou de témoigner de force et d'état. Et c'est pour ça qu'on passe d'un état à un autre, comme ça aussi, d'une manière parfois cut, enfin je dirais. J'avais pas envie à ce moment-là de faire le cinéaste qui maîtrise extrêmement bien ce qu'il a à dire, parce que je trouvais que ça, finalement, ça aurait relativisé le côté un peu volcanique. Trop éclatant de leur rencontre, de leur amour, voilà, qui est dont le principe est vraiment une aide mutuelle et un retour de la... Le plus important sur Pauline et François, c'est un retour de la vitalité, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on passe d'un état de où la mort nous domine, pour être clair, à un état où on est dominé par la vie. Point barre, en fait. C'est le truc le plus important du film. C'est pour ça que vous avez choisi de le faire dans la nature, surtout. Ou c'est un amour de la nature? C'est parce qu'il y a un amour de la nature chez moi que j'ai donc choisi de le faire à la nature. Après, je pense que ça correspond aussi à une espèce de... où les décors sont plus, j'allais dire, naturels, sont plus essentiels. On est moins parasité par un élément matériel. Voilà, c'est une toile de fond. C'est une toile de fond qui me semblait. C'est comme une toile, en même temps une toile de fond d'image, mais en même temps sonore. Comme un décor. Le film pourrait être comme un peu une prière, voilà. C'est-à-dire en même temps quelque chose d'un petit peu âpre et un petit peu austère, et en même temps en ne voulant que susciter et révéler la vie et l'espoir, voilà. Et je me disais que la nature pouvait constituer une espèce de toile de fond comme propice à une certaine réflexion, un certain silence, voilà. Ça aide comme... dans le jeu des acteurs de les avoir déplacés comme ça dans un endroit... Peut-être Yannick peut répondre à ça, je sais pas. De se couper de...
En tout cas, ça nous a certainement aidé, nous. Enfin, voilà, parce que le film, on l'a fait très vite. Et c'était juste... Enfin, le film, c'est aussi une rencontre entre eux, les personnages... Enfin, pardon, une rencontre entre les interprètes, le personnage et moi. Mais on a... Le fait qu'on est baigné dans une espèce de province calme, extrêmement naturelle, je pense à un... Ça nous a vraiment focalisé sur l'essentiel et sur cette histoire qui effectivement, a lieu... De cette manière, parce qu'il y a une sorte d'isolement aussi, les rapports familiaux ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a un isolement, le rapport à la nature n'est pas les mêmes. Ce personnage de François a un rapport très spirituel avec la nature, c'est un endroit où lui a gardé le rapport de qu'on a enfant avec la magie, le magique, le spirituel grâce à la nature, et donc le deuil qu'il vit, la mort de son frère, tout ça, lui, il se libère de ça dans la nature et l'arrivée de Pauline dans cet endroit-là, le Brame, il l'emmène là, il l'emmène à cet endroit-là et elle, il y a en tout cas pour nous, moi, la facilité, c'est qu'on a partout autour de nous, le décor n'est pas à faire, le décor existe et c'est toujours un mieux, il n'y a pas besoin de mettre des faux aplats et de travailler l'imagination qui est un travail intéressant, mais là il n'y a pas besoin d'avoir l'imagination, les oiseaux sont dans les champs, les cerfs et les biches étaient là dans les champs. Et la lumière est belle. La lumière est belle et la lumière elle est travaillée avec nous, c'est-à-dire c'est pas une technique qui va contre nous les acteurs, le chef opérateur Alexis il était vraiment complètement avec nous et tout ensemble avec ce qui était là, donc à part pour les intérieurs où il y avait plus de lumière, mais c'était quelque chose de pas contraignant. Donc ça libère, ça fait en sorte qu'on n'a pas l'impression de faire du cinéma, on a l'impression d'être là, de prendre des choses. Sur certaines séquences, on a essayé de témoigner du réel, quoi. Mais dans le réel, le réel est complexe, multiple, comme l'ambiguïté du réel, de la vie. Voilà. Donc il y a parfois aussi dans le film, par exemple, puisque Yannick parle de la séquence du Brame, une caméra qui capte. Et je tenais à une caméra technique, il y a un réalisateur, on capte, et les acteurs donnent des émotions multiples. Voilà. Je ne voulais pas, et je ne veux toujours pas, éventuellement, que sinon les choses sont trop canalisées. Les routes sont trop larges. C'est ça que je me demandais. Il y a quand même une histoire de contrôle aussi et de résistance dans ce film. Est-ce que c'est un metteur en scène qui est autoritaire ou qui vous laisse la liberté? C'est pas un metteur en scène autoritaire, mais c'est un metteur en scène, qui travaille avec la transmission de son imagination, de son univers, et il travaillait aussi de manière différente avec Laura et moi, qu'avec d'autres acteurs, qu'avec André Vims, donc très vite il a compris que chaque acteur et chaque rapport entre acteur et réalisateur, c'est un vocabulaire différent. Et donc avec moi et Laura, ça fonctionne plus ou moins de la même façon. C'est en général, on travaille une scène. Bon, ben comme toujours au cinéma, on est contraint par la technique, on essaie de faire plus ou moins une mise en place, tout ça. Et puis au bout d'un moment, on balayait tout ça. On se disait, voilà, on oubliait tout ça, on oublie le scénario, on essaie de retrouver l'essentiel, la vibration qu'il y a dans les scènes. Et là, on était sur le... On avait d'abord construit techniquement, on savait exactement où on voulait, ce que racontait la scène, et puis après on essayait de trouver cette vibration, cette nécessité, l'endroit où nous, on a le cœur qui palpite un peu plus fort, et de trouver l'intérêt de cette scène, pourquoi elle est dans le scénario, pourquoi on la filme, si c'est juste une scène, toujours un café, s'il n'y a pas le... Et là, à ce moment-là, on travaillait techniquement, on travaillait sur un travail d'état émotionnel. On a un peu travaillé comme des dingues, soyons clairs. C'est-à-dire que par exemple, avec Yannick, dès qu'on faisait une... C'est-à-dire que moi, si on fait une scène et qu'on lit les dialogues et que c'est plutôt pas mal et qu'on passe à la séquence suivante, bon, à un moment donné, c'est tiède. Quoi. C'est tiède. Et donc, nous, on travaillait, par exemple, Yannick, moi, je travaillais extrêmement sur l'intensité. Après, il y a des acteurs, ils sont tellement intenses, entre guillemets, qu'il faut peut-être un petit peu peut-être calmer ou aller voir de l'autre côté. Nous, à un moment donné, il y a eu un déclic, les trois premiers jours, on travaille. Enfin, sur certains films, les quatre premiers jours correspondent à un 20e du tournage. Nous, à un 6e, donc il faut faire attention. Mais rapidement, donc, avec Yannick, on s'est dit, voilà, il faut que sur toutes les scènes, il faut qu'il y ait des étincelles partout, tout le temps. Voilà. J'insiste sur le mot de l'intensité. Et puis, mais tout le monde cherche ça, c'est toujours la même histoire. À un moment donné, moi j'avais envie de... Tout le monde cherche ça, mais bon,
Après, c'est une nuance. Quand nous, on voulait faire des scènes et puis on voulait donner le sentiment quand même que ça n'arrive qu'une fois. C'est bête, mais faut le faire. Et puis que ça pourrait ne pas arriver. Ça, moi, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que dans chaque scène, il y a, pour moi, vraiment le fait que une chose arrive, mais pourrait ne pas arriver. La séquence du bras du cerf repose là-dessus. Parce qu'en soi, voir un cerf... Vous avez vraiment filmé le bras du cerf. Voilà, voir un cerf, c'est pas très compliqué. Voir un cerf en liberté avec des acteurs lors d'un tournage de film qui veut témoigner d'un état de beauté dans la nature, la nuit, et le lire sur le visage des acteurs et que Laura Smith puisse avoir un rire qui lui échappe, ça c'est un autre truc. Et on l'a fait à 5, on a tourné 3 heures à peine, et il y a des cerfs pour de vrai à 40 mètres. Qui sont des vrais cerfs pour le coup, qu'on n'avait rien à faire de nous. Et c'est qui n'ont pas été payés, ça tombait plutôt bien sur ce film, sur ce coup-là. Et voilà, mais j'insiste sur le. Voilà, j'insiste sur un. Parfois c'est la vie qui domine, parfois c'est le cinéma. Mais et le film va comme ça d'un point de vue à l'autre. Il y a un aller-retour, en fait, du point de vue, tout ça. Mais François Truffaut, vous parliez de François Truffaut au début, il dit un truc aussi, je crois, que chaque film devrait être aussi un documentaire sur les interprètes. Eh bien, moi aussi, c'est-à-dire que je parle à Yannick, qui va interpréter François, mais, et j'essaye de... Je me raconte des choses sur Yannick, sur Laura, sur André, je l'amène vers François, Pauline, le père, et puis je vois une attitude, un regard, un sourire, et je dis ça c'est bien. Je tiens toujours compte de l'interprète, ce qui est un peu la moindre des choses. Très très important, parce que c'est vrai qu'il y a ce travail qui est passionnant parfois des réalisateurs qui vous emmènent ailleurs de ce que vous êtes. Et puis si en chemin on perd ce qu'on est, on perd soit physiquement ce qu'on est physiquement, ou bien ce qu'on est humainement, enfin tout ça, il y a un endroit où on est décalé. Et l'intérêt c'est d'aller ailleurs, de découvrir. Tout d'un coup, moi j'ai découvert un François, et quand je vois le film, les gens qui me connaissent disent mais non, c'est pas toi, c'est moi pendant le film. Oui. Au bout d'un moment, c'était devenu moi, une part de moi, parce que c'est un endroit où, sans oublier qui j'étais, en voyant bien qui j'étais, et ça c'est intéressant, parce que parfois Renaud m'envoie dans des endroits, il me dit non, mais ça c'est pas toi, on va oublier ça, ça c'est un truc moins fantasme que j'ai de personnage, et ça c'est cet endroit. Tu demandais si Renaud était autoritaire, et. Il y a toujours, quand on travaille avec un metteur en scène, moi j'aime beaucoup un travail, j'allais dire être dirigé, mais je veux dire un travail à deux avec le metteur en scène. Et c'est intéressant quand le rapport entre la contrainte et la liberté est bien équilibré. Si j'ai un metteur en scène qui ne me donne aucune contrainte, et que le scénario en a peu, c'est très difficile pour moi de faire quelque chose. Si j'ai trop de contraintes, il y a une part de moi, de ma spontanéité, de ma vie qui disparaît. Et donc c'est toujours ce va-et-vient entre la vie qui jaillit de moi. Le va-et-vient dont tu parles, c'est. Et puis en même temps, raconte une histoire. J'en ai parlé tout à l'heure. Sinon, il faudrait 6 mois, 1 an, 2 ans. Il faudrait que je sois vraiment. Couvreur, tu veux dire. Oui, vraiment. C'est mon film, c'est de la fiction à 100%, évidemment. Mais en tenant compte de capter le vivant, et que le vivant, c'est complexe, ça va dans tous les sens, enfin voilà, c'est ça qui est beau. Non, on travaille énormément, c'était on a des journées sans arrêt, tout le temps, on travaillait, c'était passionnant. Ouais. Je me demandais aussi, il y a un rapport à la famille qui est assez pesante sur François, vous avez choisi deux acteurs dont certains parents sont célèbres, c'était conscient ou c'est juste parce que... Non, par rapport au sujet dont vous parlez, la famille, non, quand même, je ne me serais pas permis, par exemple, si vous voulez, par exemple, de faire un film avec Laura Smith en parlant de la famille, en pensant que, par exemple, elle est un élément dans une famille, etc. Non, donc je sais qui est son... Mais qui? Moi, mon frère. Non, là, je vous le dis tranquillement, parce que des fois, c'est pas tranquille. Oui, c'est pas... Non, là, pas du tout. Après, on va voir des acteurs parce qu'on nous en parle, parce que ça serait bien, parce qu'il y a de l'intérêt à aller vers certains acteurs, etc., soyons clairs. Mais sinon, par rapport à se dire, tiens, je prends telle personne parce que
Parce qu'en même temps, tout à l'heure, je parlais de quand même aussi un document, enfin sur la... Un lien avec l'environnement. Non, mais en fait, le lien dont je parlais, que je peux sentir comme ça, de la personne devant moi, seule, pure, pas de son histoire. En plus, alors, pour parler de Laura, ça serait vraiment lourd, quoi, et malvenu. Non, non, j'ai pas fait ça du tout, voilà. Au contraire, en fait, c'est-à-dire que par rapport à Laura, par exemple, clairement, ce qui m'a amusé, c'est essayer de la filmer... Oui, puis aussi présenter une image pas forcément attendue, si vous voyez ce que je veux dire, par exemple, à une certaine image que l'on a des gens, voilà. Mais moi, les personnages, je les aime tous, donc je les interprète aussi, donc j'essaie de leur donner tous des raisons, et tous de la dignité, et qu'ils soient eux en mieux. Enfin, je veux dire, c'est bête le cinéma, hein, c'est moi j'essaie d'être moi en mieux, et puis lui en mieux, etc. Voilà. Différent. Mais en mieux. Voilà, c'est pour ça qu'il y a du montage, on enlève les trucs, c'est assez pratique, on enlève les trucs un peu en dessous. Sur le personnage de Pauline, pourquoi vous avez choisi qu'elle était mariée? Elle est très jeune, ouais. Et vous avez décidé qu'elle soit... Veuve. Oui, mariée et veuve, mais... Ouais. Est-ce que vous pensez que de notre génération maintenant, une fille qui a 25 ans, se serait mariée? Moi, je me suis mariée tôt, c'est certain. Peut-être que ça doit peser, compter. Après, ça me plaisait justement d'avoir justement une image surprenante. Une femme comme ça, qui c'est comme si ça procédait de la de ça me semble excessif, non? Elle a des côtés excessifs dans ce film. Oui, mais un peu trop belle, un peu trop... Le film a un côté un peu excessif, mais moi je non, c'est-à-dire que je c'est aussi un film vraiment sur l'amour, donc je veux dire je l'image du mari disparu et mort, pour moi, était importante, embarrassante, si elle nous disait simplement qu'elle avait été mariée avec lui. Et donc, puisqu'elle était jeune, on se disait « Ah tiens, ces deux-là ont une histoire. » Voilà. C'est effectivement pas une rencontre à 35, à 40 ans. Après, non. Il y a un côté assez pur, assez justement... un peu excessif, mais dans le sens, c'est un ah, on dit ah c'est un personnage, voilà, ah c'était des personnages, ça me plaisait ça, je ne voulais pas faire un peu de réalisme social raisonnable, ça, voilà, j'aimais que les images soient plus percutantes, voilà, sur sa beauté, tout ça, oui. Et après sur le vol, le geste qu'elle a d'accepter une partie de moi, tu sais, en début c'est vrai quand on parlait de ça. J'étais un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que c'est un endroit où tout d'un coup on rentre dans oui, ce que disait, ces personnages-là dépassent un certain réalisme. C'est ça, vraiment. On transcende, ouais. On rentre dans des figures et voilà. Dans des actes. Figures, c'est bien. C'est vrai que dans un récit comme ça, c'est un endroit où le scénariste veut aller là, et en tant que spectateur, lecteur, comme acteur, ça fait un petit peu ah, parce qu'on a tendance à se raccrocher à un réalisme, on peut comprendre, et c'est là où ça devient au contraire intéressant, où le récit tout d'un coup décolle, on peut décoller, ouais. s'il y a à un moment donné quelque chose qui sort d'un réalisme, d'un naturel, de quelque chose de convenu, que tout d'un coup un acte hors du commun, et tout d'un coup cette femme, cette jeune femme, n'est plus simplement une femme qui a quitté voilà, c'est une figure. Héroïne, figure. Et le film oscille entre des choses comme ça, lourdes, réelles, et en même temps complètement sublimées, en fait. On est dans le domaine de la figure, du symbole, entre guillemets. Moi, j'aime pas beaucoup ce mot, mais oui, où les choses sont. Que ça soit un peu en couleur. Il y a des moments où on a senti l'intérieur, les scènes où je descends de l'escalier, François descend de l'escalier et va trouver sa sœur. Et moi, à ce moment-là, c'était pour tourner ça vers la fin du film. Non. Non, on a tourné ça à la fin de la première partie, à la fin de Pauline et François. À la fin de Pauline et François. Ah oui, mais je sais ce que tu veux dire. Après, moi j'étais moins là, à la fin de la partie. Et je me souviens, quand on m'a dit, ah, c'est fou, tu descends là, il y a quelque chose de différent, tu vois. Et c'est vrai que moi j'étais dans une sensation que j'ai connue au théâtre quand je jouais Racine, quand j'étais Hippolyte, quelque chose où on a accès à une sorte de tragédie. Voilà, parce qu'on est dans ce que vous appelez comme ça, ouais. Ce que vous appelez théâtral, ce que tu dis là, ouais. C'est un truc que je recherche, mais je n'ai pas vraiment trouvé le mot, mais c'est-à-dire que le film aussi, donc je me répète, entre quelque chose de trivial, de réel, et en même temps que ça soit sublimé, donc on arrive à une zone comme ça, un peu irréelle, où parfois les gestes
puisqu'ils sont un peu trop excessifs, on a un peu la chose et l'idée de la chose. Mais c'est vache, ça me, c'est beau parce que c'est de la représentation, voilà. Quand il descend l'escalier, c'est trop. Et en même temps, il prend sa sœur, c'est trop, mais c'est magnifique. Quand elle vole, c'est trop, mais ça a de la gueule. Il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça... Enfin, pour ce film, j'avais envie que ça soit comme ça. Voilà. Ça, c'est un truc sur l'opéra aussi, quelque part. C'est un peu trop. Par contre, il y a des moments qui, je trouve, sont extrêmement réels et plus proches du documentaire, c'est les moments avec les enfants. Oui. C'est rare de voir des passages avec les enfants qui ont l'air si réels. Mm-hmm. Comment vous avez travaillé avec eux? Ils sont petits. Ben, j'ai travaillé... En fait, le problème... J'ai travaillé avec les enfants comme aussi un petit peu comme avec les autres interprètes dans le film, mais en leur laissant la liberté ou alors en leur faisant croire la liberté. Et en ne les contraignant pas, soyons clairs, dans des lignes directives, voilà, encore une fois, bien tracées, avec des routes bien larges de scénaristes un peu dites, quoi. Donc en leur permettant d'improviser, tout en étant quand même dans le sujet du film, et voilà, et de proposer des moments de vie. À partir de là, j'allais dire, c'était extrêmement facile. Enfin, je sais pas si c'est facile ou on a travaillé comme ça dans la direction. On était tout le temps entre une recherche, une grande précision de quelque chose de comme si on cherchait le Graal de la scène, mais en même temps, les moyens pour y parvenir étaient complètement libres. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit non, il faut faire ce chemin-là. Donc, au bout d'un moment, si c'était par une sorte d'improvisation, si c'était par la liberté, s'il fallait changer quelque chose, il n'y avait personne qui détenait la vérité, ni Renaud, ni nous, ni Gilles, ni les séances du repas, si les enfants. Et donc, c'est toujours ce rapport entre la voilà, contrainte, on raconte une histoire, mais si tout d'un coup l'enfant fait quelque chose, on est libre pour ça. Et eux, à partir du moment où j'ai l'impression. On fait en sorte que la caméra, les techniciens, on est tous autour d'une même mission. Enfin, on fait partie d'une même énergie. Les enfants oublient un petit peu tout ça. Oui. Puis on s'y. En fait, ils se mettent à vivre. Et ouais, et puis après, ils sont fatigués. Après, on leur rappelle une chose très simple. Tiens, tu vois, dans cette scène, c'est un pique-nique. Donc, tiens, tu vois, les pique-niques, c'est beau parce que c'est les dimanches, parce que c'est en même temps porteur d'espoir et un peu nostalgique, parce qu'on peut aller pêcher, parce que tu vois, cette famille, ils ont des problèmes, mais quand même, ils ont le courage de les atténuer, mais en même temps, ça les rattrape. Donc, il faut vivre, il faut manger des gâteaux, dire des bêtises, dire des choses profondes, allez vous promener, faites ce que vous voulez. Et à un moment donné, les gens, ben voilà, on est dans cette situation, bon, bah. Eh ben on la vit, la situation. Voilà, on est dans cette situation. Et puis nous, on tourne autour comme des dingues avec la caméra. Mais que Yannick, Gilles, mon fils, puisqu'en l'occurrence, un des petits garçons qui parle du gras du jambon, c'est mon fils. Et tout le monde, à un moment donné, on est un pique-nique. Hein. On y va. Et ça dépend beaucoup de la délicatesse du réalisateur, la délicatesse du chef opérateur. Hein, oui, voilà. Avec sa caméra qui, à un moment donné... Il ne demande pas à un enfant de dire attention, tu peux le refaire, mais différemment parce que la lumière serait plus jolie là. Non. Aucune. C'est-à-dire que c'est cool. On n'était pas dans la contrainte, voilà. Ouais. Après, on n'est pas non plus dans un cinéma de. On n'est absolument pas dans un documentaire, puisque en l'occurrence cette scène du pique-nique, par exemple, il y a 4 acteurs connus, 2 enfants, une romance, des gens au bord de l'eau, mais ça passe par du silence. Et c'est absolument pas du documentaire, mais c'est un moment de cinéma où moi j'arrive à créer ça, en tout cas ce qui m'intéresse et le fait, c'est de faire en sorte que ces gens puissent se sentir libres, quoi, à un moment donné, libres et en étant dans le sujet du film. Et pour les enfants, c'est exactement ça. Pour revenir au scénario, vous l'avez co-écrit, oui. Avec Gaël Massé. C'est ça, oui. Ça se passe comment de travailler à deux sur l'écriture? Le scénario... sur ce scénario, j'ai travaillé très longtemps tout seul, puis j'ai rencontré Gaël plus tard. Donc c'est un travail difficile pour moi, le travail de scénario. Le risque, c'est l'enfermement mental. Voilà. Donc là, j'y remédie, parce que je travaille avec quelqu'un... en l'occurrence, là, je travaille sur mon prochain film, je ne travaille pas avec Gaël. Mais je travaille quotidiennement en essayant vraiment justement de ne pas sombrer dans la,
dans la pensée. Voilà. Pas une... Sinon, je me perds, moi. Voilà. Donc, il faut que je formule les choses, il faut que j'entende les choses. Et puis, c'est un aller-retour, en fait, en échange d'idées. Voilà, il faut faire attention parce que les films sont jugés sur les scénarios maintenant. C'est-à-dire que c'est bizarre en fait un petit peu le cinéma. C'est-à-dire qu'on juge un truc qui. C'est-à-dire qu'on permet au film de se faire en gros sur ce qu'il n'est pas. Donc c'est un peu curieux. Et ça donne un peu les films mornés. C'est-à-dire un film qui filme leur scénario. Donc, moi, il faut faire un travail sur le scénario. Un travail profond, complexe, raconter une histoire, pas prendre les gens pour des cons, pas dominer les autres, en même temps maîtriser les choses. Et en même temps, quelque chose de très important pour moi, pouvoir être aussi un peu à égal du spectateur, c'est-à-dire qu'il découvre les choses en même temps que moi, ou que je sois en retard de lui. Mais il y a... Il faut faire attention à la mainmise du scénario, voilà, que les films ne deviennent pas des scénarios filmés, bon ça c'est mon avis, et sinon il faut écrire, il faut essayer, il y a beaucoup de déchets, il faut jeter, voilà, enfin je veux dire c'est un travail, c'est un puzzle, il faut construire. Moi je me suis, sur Pauline et François, j'ai longtemps pensé que j'écrivais un film, naïvement, et j'ai appris qu'en fait il ne s'agissait pas d'un film mais d'un scénario, et qu'après on tourne un film, et qu'il y a une petite marge ici, qui est intéressante à trouver et tout ça. Voilà. Encore une fois, François, on pourrait encore parler de François Truffaut parce qu'il a des citations très savantes sur tout ça. Mais c'est mon premier long métrage de fiction, ouais. Voilà. Et puisqu'on en parle au premier, que vous avez travaillé avec Maurice Pialat, vous avez pris quoi, Maurice Pialat? Non, mais de toute façon, pour moi, Maurice Pialat, c'est the cinéaste. Hein. C'est, bon, voilà. Que vous dire? Je lui ai pris quoi? Je sais pas, j'ai regardé ses films plusieurs fois, et donc je lui ai tout pris. Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il se passe des choses merveilleusement complexes, humaines, simples et compliquées dans chaque scène, chaque plan, tout le temps. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, c'est magnifique. Moi j'étais stagiaire sur Van Gogh il y a bien longtemps comme ça, je suis très ravi de ça. Non mais après Ouais, c'est un cinéaste important pour moi. La chose la plus édifiante, surprenante, et quelque chose comme ça sur la profonde vérité, mais au sens artistique. Voilà, comme une émotion qui se dégage d'un tableau, une vérité qui vient et en même temps du réel et en même temps dans la conscience assez profonde qu'on a de le représenter. Enfin, je veux dire, voilà, c'est le truc qui est le plus... En tout cas, sur ce film-là, parce que c'est un peu en train de changer aussi, ça évolue, les choses évoluent, mais sur ce film-là, oui, j'étais assez impressionné par, la naissance des émotions en direct, quoi, le direct, voilà, je... Voilà. Et c'est pas, c'est quoi, parce que dans votre filmographie, donc, est assez courte, la première fois que vous avez travaillé dans le cinéma, c'est avec Maurice Pialat. Oui, non, j'ai fait des courts-métrages avant, des trucs comme ça. C'est le premier long-métrage sur lequel j'ai travaillé, je crois. Et vous travaillez comment? Parce que c'est entre... Il y a eu assez peu de choses, ça vous prend du temps de faire un film. Oui, bon, après ça, c'est des histoires privées, j'ai mis longtemps à écrire un scénario de long-métrage, voilà. J'ai fait des courts-métrages, j'ai travaillé sur les films des autres, je me suis lancé dans l'écriture, je m'y suis un peu perdu, je me posais des questions qui ne sont pas des mauvaises questions, savoir si vraiment il fallait aller au bout, si tout ça valait la peine, voilà. Puis je vivais à la campagne, j'ai trois enfants, j'ai fait des trucs aussi, mais oui, j'ai pris du temps, c'est pas facile pour moi, j'ai pris du temps pour faire ce premier long-métrage. J'avais vu que donc Gaël Massé a travaillé avec Catherine Corsini pour partir aussi sur le scénario. Et Catherine Corsini, dans une interview, elle dit donc elle écrit une histoire d'amour et elle dit: j'ai pensé que j'avais le droit maintenant que j'ai assez vécu pour raconter, penser que pour écrire quelque chose sur le deuil, l'amour, il faut avoir vécu. Oui, ça c'est en rapport avec ce que je vous disais avant. Voilà, j'ai eu un peu de temps pour éprouver ça. En fait, pour faire
4-5 films dans ma tête avant de pouvoir en faire un en vrai. Voilà, sur le, oui, sur le deuil, la nécessité de l'amour, l'espoir, la vitalité, tout ça. Oui, c'est... donc du coup, je ne peux que vous dire oui, quoi, ça prend du temps, faire un film comme ça. Bon, moi, sur cette notion d'espoir malgré tout, enfin, je dirais, voilà. J'aurais peut-être dû faire d'autres films avant. Hein. Voilà. Moins mature. Ben oui, peut-être, oui. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Ça fait un peu... Je sais pas, il faut... Je sais pas, j'ai pas de règles, non, mais j'ai pas tourné. Parce qu'en fait, moi j'avais pas mal de projets quand j'étais plus jeune. Voilà. Et je sentais que je pouvais faire des très mauvais films, en fait, voilà aussi. Voilà. Je pouvais être jeune et con et faire des très mauvais films. Donc j'ai réfléchi un peu à ça, voilà. C'est quelque chose d'assez. De cette époque-ci, des cinéastes qui commencent très jeunes, faire des films à 25 ans. Il y en a beaucoup. Mais il y a vrai que c'est pas une généralité, il y a beaucoup de. Enfin, c'est pas que vrai dans le cinéma, c'est vrai pour les acteurs, pour les musiciens. Oui, oui. On fait des choses, mais il y a plein de gens qui ont commencé à faire des films, à faire de la musique, à écrire de la poésie, à commencer beaucoup plus tard, après, à un moment de... Moi, il y a des choses que je trouve très importantes, c'est le rapport entre... Quand j'ai fait mes études de théâtre, il y a un professeur qui disait ouais, « La vie, soit on la raconte, soit on la vit ». C'est une phrase qui m'a effrayé, je me dis avant. Ah, c'est bien, ouais. On peut faire les deux. Oui, mais si on l'a. Pas tout le temps en même temps, voilà. Et moi, je sais que le rapport entre l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, moi, en tant qu'acteur, si jamais j'ai plus de vie privée, je ne peux pas raconter la vie en tant qu'acteur. Il y a un moment donné où ça s'épuise, où je deviens juste. Je être regardé, parce que j'ai l'impression d'être vidé de l'existence. Ça me fait ça, les acteurs qui moi j'ai l'impression n'ont pas de vie à côté, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est vrai qu'il y a un endroit de vase communicant entre la vie et puis raconter la vie. Voilà. C'est joliment dit ce que disait Espoir, c'est simple, mais voilà, moi j'ai eu besoin de vivre pour pouvoir après raconter, exprimer, choisir un point de vue, etc. Mais sur un terreau entre guillemets de vie qui a besoin de s'intensifier, en fait, de se constituer. Quoi. Voilà. On va terminer. Vous êtes sur quoi, tous les deux, sur les prochains films, théâtre? Je t'en prie. Moi, je prépare une pièce de théâtre que je joue en Belgique à Bruxelles. Voilà, je l'appelle « Je vais m'aider » par Motor Flamme. Et moi, j'écris un film, un scénario. Qui est un film sur les relations complexes et intéressantes entre François d'Assise, donc un saint et un frère du XIIe siècle, et son vicaire numéro 2, ministre, au moment du passage de quelque chose d'important qui est au début une fraternité qui va devenir un ordre. Voilà. Et par ailleurs, c'est aussi sur la mort de François d'Assise. Fin de sa vie. Voilà, donc j'écris un film là-dessus. Ouais. Qui aura des similitudes, je pense aussi, mais oui, très différent. Ouais. Voilà. Merci. De rien, merci à vous.